C'est un grand moment, évidemment, pour les joueurs, pour tout un pays. C'est l'heure de leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite en direct du Lusail Stadium. C'est le duel que tout le monde attend. Bienvenue au Lusail Stadium. Dans quelques secondes, la rencontre va pouvoir commencer. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet. Pour vous commenter ce match, au menu, le premier match de groupe pour ces deux pays dans ce mondial, l'Argentine contre le Mexique. On ne peut pas être indifférent à un match de Coupe du Monde. Tu as toujours les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux quand ça commence. Voici le 11 qui va débuter pour l'Argentine. Dans le but, on retrouve Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi avec Cristiano Romero au centre de la défense. Léo Messi sera avec André Di Maria sur les côtés. Et en pointe, Lautaro Martinez. Voici donc la compo pour le Mexique. Dans le but, on retrouve Ochoa. Hector Herrera sera épaulé par Edson Alvarez au milieu. Et devant, titularisé, Raúl Jiménez. Et c'est parti, le coup d'envoi de ce match de groupe de la Coupe du Monde. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Bon Marceau avec cette reprise exceptionnelle et ce ciseau somptueux. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Ça y est, c'est la fin à l'instant de cette première période au Lusail Stadium. Et dans l'ensemble, on a vu Léo Messi bien présent, impliqué dans cette première mi-temps. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe et c'est très important pour la suite du match. Allez, c'est reparti la deuxième mi-temps dans cette rencontre de phase de groupe de Coupe du Monde. À une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort, c'est vraiment dommage. Et ça joue vers Lautaro. Voilà là, la balle de match. Et c'est le but! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il n'en reste plus qu'à ajuster. Et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. Une victoire avec deux buts d'écart. C'est net, c'est précis. On tourne la page, mais on ne déchire pas le livre. Mais jusqu'où ira-t-il? Léo Messi, encore un très grand match. Évidemment, le héros de la rencontre, c'est lui, c'est la Pulga.
On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.